Chère madame, monsieur, bonjour. Il est exactement 6 h 07. Donc, et oui, comme vous pouvez voir, je n'ai pas qu'à dormir aujourd'hui pour suivre l'évolution orageuse qui est en train de se produire exemplaire sur toutes ces logistiques qui sera à l'origine de tous ces combats. Bon, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène assez rare en Belgique. La tornade risque de frapper à nouveau certaines régions du pays, comme les régions qui sont les plus concernées sont la province du Hainaut, la province de Liège, la province du Luxembourg. Aussi, dans un grand admiratif, c'est la province du Brabant wallon. Comme je vous l'ai mis derrière, donc en fond musical, de Michel Sardou Musulmane, je ne suis pas en vacances. Non, je suis avec un cortège de Belgique, de mon origine à Tourcoing. Donc voilà. Je voudrais être à l'horizon de vous faire part de mes pensées à ma famille qui est partie au Maroc, à Youssoufia. Dans ces moments-là, irréprochable. Donc voilà. Donc, édition spéciale, c'est une journée assez orageuse qui va encore se développer aujourd'hui en cours de matinée et en cours de soirée. Entre les deux, l'après-midi s'annonce assez difficile. Donc ne sortez pas si vous le pouvez dans ces orages. Voilà. C'était un bref coup de totale de édition spéciale, c'était une petite brève de la synthèse. Donc, les grêlons, la grêle, les fortes rafales, les pluies torrentielles, la tornade et les orages sont annoncés, surtout sur le Hainaut, province de Liège, Luxembourg, Namur et aussi dans le Brabant wallon et Bruxelles. Très très bonne journée et moi je vous remettrai une petite vidéo à partir de 10 h. Ciao, ciao, ciao!